Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo produit terminée. Désolée de mon absence, mais bon, me revoilà, c'est le principal. Bon, bah, je commence. Alors, il y a un peu de tout, nourriture, produits d'hygiène, maison, bébé. Je commence parce que ça va être un petit peu long. Alors, j'ai acheté ça chez Action, peanut au chocolat au lait. C'est très bon, mais c'est très mauvais. Sur Yuka, c'est écrit 0%. Donc, je vous le recommande pas. Mais si vous voulez vous faire plaisir, foncez. Parce que c'est pas cher. Ensuite, des cookies à la crème qu'on peut trouver soit chez Action, soit au Cora rayon discount. Mais c'est vraiment pas cher. Et c'est aussi mauvais. Et sur Yuka, c'est 0%. Donc, faites-vous plaisir, mais ne vous pesez pas juste derrière. Je continue. C'est un peu plus meilleur pour la santé. C'est de chez Innocent, fabuleux, Fabu Bleu. C'est très bon. Mon copain et moi, on adore ça. C'est noté 58%. Je vous le recommande. Et on le trouve partout. Mais il est un peu cher, mais bon. Suivant. Alors, c'est le Sanitol pour le linge. C'est très bien, surtout dans cette période de Covid-19. Je vous le recommande, il est vraiment pas cher. Mais à petite dose parce que ça se utilise très vite. Ensuite, de la Soupline, ça sent super bon. Je vous le recommande des fois chez Lidl. Ils font des promos, un acheté et le deuxième à moins 50%. Ou un peu moins. Mais il faut faire les promos parce qu'autrement, il est hyper cher tout seul. Ensuite, je continue. Du EO Écarlate. C'est un très bon produit pour les tâches, surtout quand on a beaucoup d'enfants à la maison. Famille nombreuse, c'est votre arme fatale. Ensuite, je continue. Avec des lingettes pour bébé. Alors, celle-ci de chez Action. Baby Whips. Ça sent très bon, mais la composition est entre deux. Donc, si vous regardez pas la composition, allez-y. Mais autrement, les meilleures, c'est celle du Action. Notez 100%. Très très bon, je vous le recommande. En plus, il n'est pas cher, vous pouvez en prendre 2-3 pour le mois. Ça fera l'affaire. Ensuite, je continue. Ayant un bébé maintenant de 2 mois à la maison, des fois ils ont des problèmes de transit. Je vous conseille Calmosine pour la digestion facile. Ça apaise bébé et une nuit facile. Ensuite, je continue pour un déo sien pour homme. Bah, il sent bon, mais il est pas très bien parce qu'il fait des traces sur les vêtements, donc je vous le recommande pas. Mais il est pas cher. Bon, si vous avez rien d'autre, ça fera l'affaire, mais je vous le conseille pas. Voilà, je continue. Un shampoing doux de chez Super U. Il est très bien, mais il sent très bon. C'est tout type de cheveux. Que vous dire plus? Ça lave, ça fait le job. Mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai envie de tester d'autres produits. Ensuite, une eau micellaire de chez SVR. Une très bonne eau micellaire. Je le rachèterai en plus gros format quand j'en aurai plus d'autres. Ensuite, un savon pour les mains de chez Yves Rocher. Bah, je viens de le terminer, j'ai mis du temps, mais c'est un bon produit, mais la compo est moyenne. Donc, je vous le recommande. De toute façon, quand il y a des promos comme ça chez Yves Rocher, c'est pas très cher. Donc, je vous le recommande. Ensuite, je continue. Dans un swap que je n'ai pas réalisé, mais que j'aurais voulu avec une certaine youtubeuse. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps.
C'est de chez la marque Repair, c'est Inelli. Bon, je l'ai testé, il est bien, mais je me suis très vite lassée. Et j'étais contente quand il était fini. Ensuite, je continue. Un masque pour les cheveux à la banane de chez Action. Bah, ils sont les fraises Tagada. Les fraises de chez Haribo, pardon. C'est pas grave, hein. Ils sont bons. Je vous recommande si vous aimez bien, mais autrement, c'est plus pour les enfants, je trouve. Quand ils ont des grands cheveux et qu'ils ont besoin d'être nourris. Ensuite, je continue. Un parfum de chez Naomi Campbell que j'ai eu en cadeau il y a très très longtemps, en période de Noël. Il sent très bon. Ensuite, de chez Cosmia, de chez Auchan. Bah, c'est un gel douche hein, qui fait son job, il sent bon. Il est noté très mauvais, mais achetez-le si vous aimez la menthe. Ensuite, je continue. La vidéo est bientôt terminée. Rassurez-vous. Alors, de la marque L'Oréal que j'avais eu en boutique enfin, en salon. Bah, il sent bon la banane, mais je vous le conseille pas parce qu'il est très mauvais. Il est noté sur 3 sur 100 sur Yuka. Donc, je vous le conseille pas. Ensuite, le petit Marseillais, c'est un après-shampoing qui fait bien son job, mais je ne rachèterai pas parce que je vais tester d'autres produits. Ensuite, je continue. Un savon pour les mains qui sent la pastèque mangue. Non, pas pastèque et. Comment? Et pêche. De chez Rossmann. Je vous le conseille. C'est des recharges qui coûtent même pas 60 centimes. Ensuite, un gel douche de chez Dope Coco Rocher. Il sent très bon. Sur la peau, on a une sensation de se laver au spéculoos. J'adore, je le rachèterai si je le retrouve chez Action. Parce qu'il est très difficile à le trouver. Ensuite, je continue. Un dentifrice Signal pour les enfants. Je vous le recommande, il est très bien noté. Et les enfants l'adorent, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, un petit parfum de Monoeil de chez Yves Rocher. Bah, celui-là, c'est un inconditionnel qu'on doit toujours avoir à la maison, en grand format ou petit format. Et attendez les promos. Ensuite, je continue. C'est bientôt terminé. Alors, le Colgate pour blancheur. Très bon produit. Je le rachèterai, mais d'abord, il faut que je termine tout ce que j'ai dans mes placards. Parce que le chéri, il en a marre. Ensuite, le petit Marseillais. Ils sont très bons sur la peau aussi. C'est idéal pour les vacances. N'est-ce pas, les enfants? Oui. Et donc, je le rachèterai. Mais bon, la compo est pas top. Mais ça se trouve partout. Ensuite, je continue. Un gel intime. Après l'accouchement, c'est l'idéal. Mais on m'a conseillé celui-ci. Mais sur UK, il n'est pas très bien noté. Donc, j'ai dû le terner. Je l'ai acheté en gros format parce que j'ai écouté ma sage-femme. Je suis pas déçue, mais la compo m'inquiète un peu, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est un dentifrice pour dents blanches, Pearlwise. Bah, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Vu que je suis fumeuse, bah, je vois un peu le résultat. Donc, je le rachèterai quand je pourrai. Ensuite, encore trois produits et j'aurai fini. Alors, c'est un spray pour les désinfections des mains. En cas où si on ne peut pas se laver les mains à temps. L'entreprise, elle est dans ma région, Olysée. Je vous recommande et c'est vraiment pas cher. Et ça protège un peu. Et vous mettez un peu sur la cuvette des toilettes aussi, c'est très bien. Ça désinfecte avant les passages des autres personnes. Alors, de chez Yves Rocher, c'est un lait pour le corps très bien qui rend la peau tellement douce que je rachèterai en grand format quand j'aurai l'occasion. Ensuite, et pour terminer, un gel nettoyant de chez Avène que j'ai très bien adoré. Je le rachèterai quand je pourrai en grand format. Eh bien, ma vidéo est terminée.
Dites-moi ce qui vous a plu et si ça vous a déplu aussi. Si ça vous a plu aussi, un pouce bleu. Et si ça vous a déplu, un pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous!